Merci, François-Philippe, de continuer d'être là pour aider nos entreprises et nos travailleurs à innover partout à travers le pays. Je suis toujours content de venir faire des annonces avec François-Philippe. Ça coûte toujours quelques sous, là. Mais on est toujours en train de créer des bons emplois axés sur l'avenir. Parce que ce n'est pas juste une question d'emploi, une question de carrière, une question de génération future pour savoir qu'on est en train de se positionner de la bonne façon pour bénéficier pendant longtemps des investissements qu'on est en train de faire en tant que pays. Je veux aussi saluer évidemment Sophie et Jacob et tous les gens de Rio Tinto. Comme François-Philippe l'a dit, c'est grâce à votre savoir-faire, à l'expertise des travailleurs ici, que Rio Tinto arrive à se positionner comme un leader mondial en production de minéraux critiques ici au Canada. Je veux aussi saluer notre ami Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel. Il m'a souligné à quel point c'était, du temps qu'il était élu, c'est quoi, c'est 6-7 décennies que tu es élu ici, là, c'est ça? Depuis 38 ans, il n'y a pas une fois qu'un premier ministre est venu dans le comté pour faire une annonce. J'ai souligné que j'étais venu une couple de fois en campagne électorale pour essayer de le déloger en vain, mais venir pour une annonce d'investissement ici, je suis très, très content parce que, comme François-Philippe l'a dit, c'est une question de reconnaître que l'avenir, ça se bâtit partout. Ça se bâtit à travers le pays. Et ce qu'on est venu faire ici comme annonce va assurer un avenir pour les gens de Sorel, mais aussi pour tous les Québécois, tous les Canadiens dans les générations à venir pendant qu'on joue à l'avant-plan dans les minéraux critiques. Mais avant de commencer avec ce discours-là, je veux prendre un instant pour parler d'Ukraine. Before we begin today, I want to take a moment to strongly condemn Russia's continued attacks on civilians in Ukraine. Les frappes de la Russie contre les civils en Ukraine sont inacceptables. Ces attaques criminelles de la Russie brisent des vies pour toujours. C'est horrible d'imaginer des gens en train de vivre leur vie à Kiev, d'envoyer leurs enfants dans les parcs, d'aller au travail un lundi matin pour recevoir des frappes aériennes, des missiles ciblés contre des civils, ciblés des innocents. On voit ce qui est en train de se passer, le courage des Ukrainiens, la férocité avec laquelle ils sont en train de défendre leur territoire, est en train de faire passer un très mauvais quart d'heure à Vladimir Poutine, qui a fait une erreur monumentale en sous-estimant les Ukrainiens, en sous-estimant la fermeté des pays d'Occident de se tenir avec l'Ukraine pour défendre les principes démocratiques que nous protégeons tous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des missiles contre les civils. Il tue des femmes, des enfants, des innocents. On voit vraiment à quel point c'est des attaques illégales et injustifiables. Et le Canada va continuer de se tenir avec nos alliés à travers le monde pour repousser la Russie et d'être avec l'Ukraine. Yesterday, I spoke with President Zelensky and offered my condolences on behalf of Canadians regarding the tragic deaths caused by Russia's actions. The Russians' missile strikes on civilians, on innocent people commuting to work, kids playing in parks, are targeted at civilians and civilian infrastructure. There's no military targets in there. It's just a recognition that Ukrainians have fought so bravely, and the world has stood so solidly by their sides and behind them, that Russia's decided to take this to the next level and attack innocents. We remain committed to holding this Russian regime to account and to supporting Ukraine, including with financial, humanitarian sanctions and military assistance. That's what I told President Zelensky
And today, Minister Anand announced the deployment of approximately 40 combat engineers to Poland under Operation Unifier to train Ukrainian sappers as part of a multinational effort. We will continue to support Ukraine and democracy against Putin's authoritarianism. This morning, we gathered in a virtual G7 meeting, and we heard from President Zelensky, who kicked us off with a strong request for continued solidarity and assistance by the world, which we assured him we would give. And during the ensuing G7 meeting, we talked about Ukraine, but I also brought up the subject of Iran and made it clear that Canada will continue to support the women in Iran and that all democracies should come together to support them. We're seeing transformation, changes, and challenges all over the world right now. You can understand how anxious people are about their future, about their kids' future, whether we're talking about geopolitics, whether you're talking about war in Europe, whether we're talking about the impact of climate change, which we saw a reminder in the Isle de la Madeleine and in the Atlantic provinces with Hurricane Fiona. And these are things that cause a lot of uncertainty and anxiety in the world. But it's also linked to the reasons why I'm so glad to be here today, to talk about what we're doing to ensure that Canada continues to play a strong and positive role on the world stage in providing the essential building blocks of that future, whether it be a carbon neutral future, whether it be a cleaner, greener future, whether it be the kind of future in which everyone can aspire to good jobs, a safe home, and a better future for their own kids. Donc, je suis très heureux d'être ici à Sorel aujourd'hui avec vous. On est ici parce qu'on veut créer des emplois, garder notre air propre et renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Ce sont des buts qu'on partage avec Rio Tinto et c'est pour ça que notre gouvernement propose un investissement majeur pour aider la compagnie à se concentrer sur la production de minéraux critiques ici au Québec. En plus d'aider à créer jusqu'à 150 nouveaux emplois et de maintenir des emplois chez Rio Tinto et dans la région, cet investissement vise à réduire de près de la moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'usine de Rio Tinto Fer et Titane de Sorel-Tracy d'ici 2030. Now, there are still politicians who say that you have to choose between good jobs and clean air. Well, this announcement, along with so many others we've already made, shows concretely that a healthy economy and a healthy environment can, and indeed must, go hand in hand. Today's announcement with Rio Tinto will create jobs and position Canada as a leader in the critical minerals that go into things like electric vehicles for our net zero future. Ces minéraux critiques sont importants parce qu'ils nous permettent d'avoir ce qu'il faut ici chez nous pour construire, par exemple, des batteries pour véhicules électriques. Dans les derniers mois, on a justement annoncé plusieurs partenariats, et là je pense à Stellantis, à GM, à Umicore, qui vont créer et maintenir plus de 17 000 bons emplois, en plus de nous aider à lutter contre les changements climatiques. Ça fait longtemps qu'on parle du fait que les changements climatiques représentent un vrai défi pour nos sociétés, pour nos communautés, pour nos familles, pour notre pays, pour notre monde. On essaie aussi de dire que oui, mais les changements climatiques représentent des opportunités aussi. Disons que ces dernières années, on a plus vu les défis que les opportunités. Mais avec les annonces qu'on fait depuis un peu plus d'un an, on voit l'aboutissement de travail que nous faisons depuis 7 ans maintenant, pour démontrer que c'est en luttant contre les changements climatiques qu'on peut créer des opportunités pour des bons emplois qui ne vont pas juste durer quelques années encore, mais quelques générations encore. Positionner le Canada comme étant là pour les besoins énergétiques et en minéraux du monde. Good middle-class jobs, clean air, and made-in-Canada technologies. This is our vision for a strong economy and a strong future. Le Québec et Rio Tinto sont des leaders mondiaux en matière d'innovation et de technologies vertes. L'an dernier, on a poursuivi notre collaboration avec Rio Tinto avec
un nouvel investissement pour le projet Élysis au Saguenay afin de mettre au point la première technologie de fusion d'aluminium sans carbone au monde. Ensemble, on va continuer d'innover, de créer des emplois, surtout de garder un avenir propre et prospère pour nos enfants. Merci beaucoup, tout le monde.